Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie avec Europa Universalis 4, enfin sur Europa Universalis 4 avec avec les patrons pontificaux, pardon, j'ai bugué. Allez, notre marche, elle est là, elle bosse, elle fait du bon boulot. Si on pouvait prendre prendre ce fort, on est toujours, on est passé à 35%, c'est mieux aussi bien que l'Autriche. Ah, c'est pas passé. Ça fait mal quand même. Je sais pas pour les autres, t'as bien aussi contre ça. Ah, oh, c'est pas vrai quand même. Est-ce que c'est bon? Alors, le Wolfsburg. Voilà. Allez. On se met partout. Quand même, on revendique suffisamment de choses. Allez, manière finale, on retourne en Chavons. Les souris se débrouillent tout seuls. Nous, on a ce qu'on appelle de la main-d'œuvre des réserves militaires récupérées. La Pologne se fait ouvrir. Oui, il serait temps de revendiquer des trucs ici quand même aussi. Parce que là on pourrait attaquer. Clairement. Ils sont liés avec la Bourgogne et Mantoue. Mantoue ne viendra pas. La Bourgogne viendra sans doute. Bon, ils viennent pas les Vénitiens. Des questions si on fait ça. Bon, ce serait bête. À partir du principe qu'ils m'ont filé des choses. C'est pas terrible, c'est pas niveau point. C'est le moins qu'on puisse dire. Détection des espions étrangers. Coût de fabrication de revendications. Il reste 2005. Toujours pas revendiqué ça.
On aura fait quand même 31%. Que je voulais faire une petite revendication là-dessus, en profiter avant. On pourrait même attaquer maintenant en fait, mais c'est ce qu'on va faire. On va y aller comme des porcs avant qu'ils aient des alliés. Alors, Brandebourg, oui, c'est très vite à l'état pontifical, merci. Merci Brandebourg, ça c'est super cool. Donc là, nous, on attaque. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, on va finir par prendre la botte. Boucani. On va faire ça. S'en occuper là. Voilà, la Bosnie arrive. N'oublions pas que la Bosnie, oui, elle est bien catholique, donc c'est bon. On est bien. On va l'entrer à 20. Que je perds quand même comme troupe là sur les sièges et tout le bazar là. Donc j'ai récupéré un fort. Après ma frontière est quand même désécurisée. C'est l'Espagne qui a ça, hein. Alors ça me plaît moyennement. Bon, 100%. Toi tu l'as réclamé. Tu vas l'avoir. En sorte c'est d'avoir une marche très puissante. Bourgogne. Séparatiste quoi, tu vas même tout. On va te copier. Par
attends encore un petit peu avant de mettre les Mamelouks là. On va mettre l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il fait de aller chez moi lui? Revendiquons. Alors, est-ce qu'on peut faire un meilleur de plus? On va en faire deux. Est-ce qu'ils veulent venir? Oh, ils vont venir un moment ou un autre. C'est l'empereur. Alors, la prochaine réforme, c'est légitimation moins 10%. Ça peut être pas mal. On va donc faire rentrer ça dans le Saint-Empire. Urbino, Barry. Ça. Bien, on va faire rentrer Parme. Donc Colin. On va poser une question sur Salerne. On fait ça, les bourgeois. On prend 50 points de puissance diplomatique. C'est toujours ça. Donc là, j'ai un petit peu que l'embarras du choix. On va attendre que le soleil pète là un petit peu. Ok, ma limite, on peut faire 5000 hommes de plus. Et une grande partie de la messe espagnole qui est là. Hein. Alors, garantie. Ah, ça va, ils ont des alliés de merde. Good. Ah, mais c'est l'empereur qu'on fait ça. C'est con. C'est quoi la prochaine réforme? Bon, ça je vois pas ça. La Savoie s'apprête à attaquer Milan. Si vous voulez. Tac. Avec 90. Pas trop ça va péter. Oh putain, j'ai pas fait une seule
doctrine, je crois, durant ce petit moment. Encore 25 navires, même plus. La France veut passer parce qu'elle est en guerre, l'Union veut passer parce qu'ils sont en guerre. J'aimerais bien que ça pète la deuxième fois pour toutes. Alors, bien évidemment, il faut que ça pète à l'endroit le plus loin. Prochaine fois c'est dans le Green Bohème, ok. Ah, la Bourgogne Limbourg. On va traverser. Et on va les attaquer. J'ai un petit peu de mal à atteindre un attaque. On prend un Lucani. Ça vaut le coup. Ah putain, j'ai perdu mon général. Il prend un moment qui n'est pas intéressant celui-là. On va laisser faire pour me prendre la tête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout gagner la guerre. Voilà. On s'entraîne, c'est-à-dire qu'on était là tout à l'heure. C'est pas ce qu'ils veulent. Bon,
En tout cas, bon, on poursuit cette petite guerre. Je vous dis donc à plus tard pour cette deuxième partie. Prochain objectif, une poussée vers le nord. Je pense que vraiment, ce territoire, ça sera vraiment le dernier qu'on va faire. Allez, ben, je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous!